Ils n'ont pas le même maillot, mais ils ont la même passion, le cyclisme. Depuis leur enfance, Jérémy Bellicot, casque jaune, et Valentin Ferron s'affrontent en compétition. Adversaires sur la route, mais amis dans la vie. Nés la même année en 1998, le Charentais maritime et le Viennois se connaissent par cœur. Valentin sur le vélo, c'est quelqu'un de très fort. Hein. Mais depuis toujours, on se connaît depuis les années cadets, minime cadet. Et moi, il me faisait déjà peur sur le vélo. Et là, maintenant, à l'entraînement, il me fait mal, mais ça nous tire vers le haut, ça c'est super. Jérémy, sur le vélo, c'est forcément un pur grimpeur, il passe très bien l'école. Il a aussi un gros mental, il lâche jamais rien, et puis il va très loin dans la douleur. Puis sinon, en dehors du vélo, c'est quelqu'un de très gentil, voilà, il aime aider les autres, et il joue très bien du ukulélé. Pas de ukulélé au programme de la journée, mais un entraînement personnalisé. Les deux ont poussé le mimétisme jusqu'à signer leur premier contrat pro l'an passé. Chez les Belges, de Wanty pour Jérémy, dans l'équipe Total Direct Energy pour Valentin. À l'attaque de leur deuxième année, ils rêvent de Tour de France et savourent leur réussite. C'est un rêve de gosse. Hein. Quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire plus tard, moi je marquais cycliste professionnel. Donc d'être là aujourd'hui, c'est une grande chance. Faut en être conscient et voilà, je profite de l'instant. Hein. Je suis le deuxième plus jeune de l'équipe, donc j'ai la chance, les anciens donnent beaucoup de conseils et là-dessus, ils nous aident beaucoup à progresser. Et c'est vraiment une équipe où il y a beaucoup d'entraide et je prends beaucoup de plaisir à aller sur les courses ou même les entraînements avec mes coéquipiers. En ce début de saison, les plus grandes épreuves, les deux coureurs les regardent encore à la télévision, comme le Tour des Émirats Arabes Unis. L'équipe de Jérémy y participe. De quoi donner des idées aux grimpeurs, troisième du Tour de Savoie 2019. Franchement, c'est une très belle course qui donne envie de faire. Après, voilà, j'ai un programme de course qui fait que c'est déjà pas mal chargé. Donc Emirates, ça sera peut-être plutôt pour l'an prochain. Ce jour-là, le lauréat de l'étape se nomme Tadej Pogacar, le vainqueur du dernier Tour de France. Un coureur de leur génération, déjà au sommet. Ah, il a bien joué. J'aurais pas été capable de jouer la victoire. Là, c'est vraiment des champions. Pour être devant, il faut être sacrément costaud. Mais j'espère un jour, pourquoi pas, avoir la chance de gagner une course comme ça. Voilà, c'est l'objectif. Pour franchir un nouveau cap en 2021, Valentin Ferron espère se frotter au meilleur lors d'une deuxième participation à Liège-Bastogne-Liège. Jérémy Bellicot vise, lui, le Tour d'Espagne. S'il en prend le départ, il pourra demander conseil à son ami, 87e de l'épreuve l'an dernier.